swaka kembo na makambo nyonso lolenge olingi ozwaka kembo yaya ozwaka kembo na makambo nyonso lolenge olingi ozwaka kembo yaya. N'est-ce pas que c'est très facile? Kembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka kembo yaya ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka kembo yaya. Ata na mashwari ya Anne na maboko ya Samson elongi bitumba ye. Ozwaka kembo yaya. Ata na bavaza purification okoti siango na fete omelisi bato mingi ye. Ozwaka kembo yaya. Ata na femme samaritaine oyo reputation ebeba okomisi evangeliste. Attends à ta grandeur, va te bailler, va gâter le lot, le commissaire si j'ai un kembo. Oh oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi. Thank you.
le DGA. Le docteur Zola.
qui est béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni pour les siècles et les siècles. Que les cieux et toutes tes créatures te bénissent des siècles en siècles. Tu as créé Adam, tu as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son soutien. Et c'est Dieu que toute la race des hommes est née. Maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en épousant cette sœur. Je le fais d'un cœur sincère. Et pitié d'elle et de moi, et conduis-nous ensemble jusqu'à la déesse. Ils terminèrent en disant ensemble, Amen, Amen. Puis, ils se couchèrent pour la nuit.
nous voulions interroger l'Écriture sainte sur le secret de la longévité et de la stabilité dans un projet de vie comme celui de tous. Sarah se levait
marchant vers un même idéal, dans le style, dans sa prière, lorsqu'il déclare, ce n'est pas pour satisfaire. Longévité et la fidélité de notre heureux couple, nous allons aussi et surtout implorer la bénédiction de Dieu, la centralité de Dieu dans notre vie quotidienne. Ces couples nantis vivaient tranquillement dans leur belle villa, étant donné que tous leurs enfants étaient devenus indépendants et autonomes. Un beau jour, en leur absence, les voleurs se sont infiltrés dans la maison et ont emporté tous les biens de valeur. Ils étaient emportés, s'éclatant en pleurs, accusant Dieu d'avoir permis ce malheur. À son entrée à la maison, l'époux découvre l'épouse en larmes. Et lui demanda le motif de son abattement. Ce dernier, cherchant à la réconforter, lui déclara, « Madame, tu le sais bien, tous ces biens dont nous disposons nous étaient donnés. À notre tour, offrons tout à celui qui est en haut. » S'entendant Dieu. Tout à coup, quelqu'un se souleva du dessous de la table et cria tout ça, de toute sa gorge. Quelle injustice! Vous allez maintenant offrir le reste des biens à celui qui est en haut. N'est-ce pas lui, le chef de notre banque, qui est au plafond? D'ailleurs, c'est chez lui que nous avons entreposé tous vos biens. C'est alors que le couple s'est rendu compte que les voleurs étaient encore dans la maison et que leur chef était au plafond. Comme principe vital, le couple était habilité à maîtriser leur environnement vital, à se rendre compte de ce qui les entourait, se rendre compte du danger qui les entourait, et ils étaient capables de prendre leur disposition. Et vous, quel est votre principe de référence? Et vous, en temps de crise, quelle est votre référence? Bien chers frères et sœurs, tout devient fragile. Quand Dieu cesse d'être le principe de référence, quand on ne craint plus Dieu, alors l'autre ne devient qu'un instrument à son service égoïste. Jésus nous fait une promesse décisive. Si nous nous appuyons sur sa parole, notre vie pourra résister aux problèmes et aux assauts les plus violents. Salut à Matoya Koyota. Salut à Matoya Koyota. Yeah.
Sango, Baumina Naloboko, Tosamila. Thank you.
Thank you.
conseil du royaume. Cardinal Laurent Moussin, Azalakina Bisso, Moloyote, Eye de l'or, Obiamie Payayo, Nabatissimo, Abatiwayayi, Bongo, Asekwa, Nsekwa, Yamwanawayo. Thank you.
un mot nous revient à l'esprit, merci. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de reconnaissance que nous disons ce merci qui vient du fond du cœur. Si on avait dit à Maman Sidonie et à Papa Donatien qu'après vos vacances, au mois de mars-avril, vous allez rentrer pour les 80 ans au Congo, je pense qu'ils ne devaient pas croire. Ils devaient carrément dire non, on n'a pas envie de refaire les mêmes choses, d'être acclamé, d'être félicité. Voilà. Maman, papa, je pense, le pari est gagné. Nous sommes heureux et vous pouvez être fiers de cette première partie. On peut les applaudir très fort. Pour être prêt, on n'a pas trouvé comment les convaincre de négocier. Et finalement, je pense que c'est eux, leur chéri, ils sont arrivés à un compromis, une conclusion, et finalement ils ont dit oui. Et c'est lui qui nous a alors mis en route pour ce grand événement que nous trouvions vraiment important de fêter. Mais puisque maman, papa, les statistiques disent qu'on va avoir beaucoup de salaires, on espère qu'on va se retrouver dans 20 ans. Pour vous dire au centre. Voilà. Merci aux personnes qui sont venues de très loin. On va les réunir dans la suite du programme. Alors, je vais vous retrouver. Merci beaucoup. En tout cas, à plusieurs personnes qui avaient venu ont été informées. Avec le Covid, c'était difficile de faire des prévisions, de faire des programmes à l'avance. Tout a été fait à hâte, en vitesse, avec tant de sincère diversité. Nous allons maintenant vous inviter tous à un apéritif dînatoire. Et l'apéritif dînatoire va se passer à la douce nuit chez le Père Tapissant. Donc tout le monde ici, avec les mesures Covid, c'est compliqué d'organiser une fête. Et nous allons nous retrouver pour ces campagnes suivies de la vérité où ensemble on peut partager un petit verre d'eau, quelque chose pour grignoter, pour que nous puissions finir cette nuit dans la beauté. Et ce sera l'occasion aussi, vous allez écouter des témoignages de ceux qui sont là, de membres de famille qui sont là, et qui vont dire un mot là où nous allons. Encore une fois, merci à vous. Thank you.
Il y a cinq autres qui sont avant.
Je suis le docteur Zola, je suis à Cape Town. Je suis venu juste pour fêter mes parents. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons vécu cette première partie, cette messe très chaleureuse, mais aussi avec beaucoup de personnes qui sont venues dire merci. Nous sommes vraiment touchés et on dit merci. Merci à toutes les personnes qui ont fait ce déplacement. Et merci surtout parce que papa et maman, à travers cette célébration, on a senti combien ils ont s'aimé et combien ils ont donné tout leur amour pour que pousse partout le fruit de ce qu'ils ont été. En tout cas, merci. Merci, 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 merci
Dieu d'infinie bonté, maître de la vie, nous te rendons grâce pour le don de la vie que tu as daigné accorder à ton serviteur Donatien et à son épouse Sidonie. Répands sur les deux l'abondance de tes bénédictions célestes pour les garder, les préserver et les accompagner pour le reste de leur vie. À présent, nous voudrions te confier cette soirée en leur honneur. Bénis le repas que nous allons partager. Bénis toutes les activités destinées à les honorer. Fais que tous ensemble, Seigneur, nous ayons l'avant-goût des biens que tu nous promets dans ta maison. Toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous. Merci, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très, 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 très fort? Je n'entends rien. Vous pouvez vous joyeux anniversaire.
Parce que moi, quand tu parlais de Moussima, je croyais que c'était la vie au colonne Moussima. On était géant supérieur Moussima, ou le docteur Zola Moussima, Lévi Moussima. Parce que moi, ce couple-là, je ne l'avais pas connu sous ce nom-là. C'est lui que vous appelez le Nassim Moussima. Nous l'appelons familialement Talatia. Et sa très chère épouse, Maodila. C'est de ce nom-là que nous les connaissons. Et jusqu'ici, nous les appelons comme ça. Alors, si ce sont eux, alors je fais parler d'eux. Il y a tout ce couple, de Talatien et de Maodila, quelque chose d'assez extraordinaire, mes très chers frères. C'est un couple condisciple. C'est un couple condisciple qui a eu à traverser le Kouéla ensemble, à traverser le Tia ensemble, à se plonger dans Maman ensemble et aller pêcher l'un pour dans l'eau ensemble. Tout cela à Bethanie. Parce qu'ils étaient condisciples. Voilà comment le Seigneur aménage parfois le destin de gens. Avant qu'ils unissent leurs esprits dans le mariage, ils étaient déjà des amis condisciples depuis une chair, depuis Mancon. Et vous allez voir que né en 1939, Talatian n'a pas laissé beaucoup de temps à Maman Odila de naître en 1940. Tous les deux, dans deux villages proximes, dans la Tiana Bancon, et Maman Odila et Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une rivière dans notre village que nous appelons effectivement Mbongeta et Jeune. Tous les deux allaient dans ce Mbongeta et Jeune pour se laver. Parce qu'ils étaient des condisciples. Il y a eu une petite différence, sauf qu'ils n'ont pas pris la première communion ensemble. Talatien, en troisième retrouvement sidonie, Maodila, sont trois condisciples. Et le professeur, le maître qui les enseigne, c'est le grand frère à Maodila. Pauvre, Tazadie Mouké, paix à son âme. Cet homme aimait beaucoup parler français, il va leur apprendre le rudiment du verbe être. Je vous assure, c'était la Toïmoïe. Quand Tazavie dit à table d'ancien Talatien, conduite le verbe être, lui dit je être. Et quand je demande à Maodila, Maodila dit je suis. Maodila, alors le père Léon dit non, cette fille est terrible. Je le prends, je l'amène à Mouyambong. Il le laisse. On la distingue de tout. Et quand vous regardez dans la petite tribu d'Ingala, c'est un témoignage vrai. Maodila se trouve être la première fille qui, à ce moment-là, va fréquenter l'école la plus élevée. Comme pour les garçons, c'est le pionnier, c'est le patriarche, c'est le tout premier de premier, son excellence Louis Mbo. Qui va s'afficher comme le premier jeune homme Odila. Applaudissez-les. Même si après lui il a drainé les gens comme le premier émérite Koukou et que sais-je encore, mais il a été le premier. Parce que ce que vous avez excellé, Monseigneur Paul va être le pionnier des jeunes gens dit. Pour aller au séminaire et terminer
les voilà aujourd'hui. D'un côté des filles, je ne suis pas contredit à le professeur Boutier qui donne cours à l'université de Houston, qui est parmi nous. Il peut même témoigner. Tout à l'heure, je lui ai consulté, dit, mais toi, tu es un peu historique. Est-ce que je ne me trompe pas à affirmer que maman Odila est la première des filles à aller à la classe la plus élevée? Il m'a dit non, tu ne peux pas contredire. Mes chers amis, à ce moment-là, la Bible qui est plus géant que moi n'existe même pas. Le DGA Cyprien qui est plus géant que moi n'existe même pas. Et parmi les garçons, les plus intelligents, on les destine. L'état, la tienne dont vous voyez, j'ai vu même un de ces brillants qu'on est si précis. Mes chers amis, je ne le vois plus, peut-être qu'il a pris la poudre d'estampette. S'il était là, il serait venu témoigner à côté de son condisciple. Venez, monsieur Famous. Parce que si je fais du mensonge, vous allez me contredire. Après les études, tous formés comme enseignants, titrés, qualifiés, dans Donatien, dans la Tiane et Mao Dila. Ah, venez un peu, monsieur Fanissou. Ah, et il est content de voir son commissaire. Comme le fait, il va témoigner. C'est lui-là. Ce sont des ceux que Monseigneur Mola traînait sur la rue du séminaire. Parce qu'ils se sont affichés d'être des jeunes gens trop brillants. Alors il devait suivre Louis Mbois, là où il allait. Louis Mbois n'était pas géant de taille, mais il traînait même les gens de taille de plus élevée. Et il s'est affiché premier pour faire l'honneur de la petite tribu D. Lui, qu'on disciple dans la tienne, peut-être dira quelque chose. En français, à Tidinga ou à Lingala, le choix est à lui. Je vais terminer en disant. Et ce couple est un couple qui a commencé son destin de la naissance. Comme je l'ai dit, et c'est ainsi que le Seigneur a uni leurs esprits dans le mariage. Il leur a donné la grâce de vivre les quelques 80 ans que nous fêtons aujourd'hui, mais qui pour moi ne sont pas encore suffisants. Alors, ils ont donné cours dans le rayon de la paroisse de Kibouti, ex-Bethanie, notre paroisse d'origine. Les fameux 60 ans de mariage équivalent aux 60 ans de leur profession, de leur activité professionnelle. Mais alors, quelle intensité, quelle densité de jeunesse qu'on va mettre au crédit de ce couple, de ceux qui ont formé, qui font maintenant la fierté de la petite tribu. Quel des licenciés, quel des ingénieurs dans tous les domaines, filles comme garçons. Ils sont parmi les promoteurs de cela. Et à un moment donné, ils ont eu même hébergé chez eux une flopée de jeunes gens. Parce que c'était un couple très accueillant. Nous tous, nous sommes leurs imitateurs. Quand nous voyons dans la tienne revenir de l'école, quand il allait étudier, nous nous disons, moi aussi je dois devenir comme lui. Et quand les jeunes filles, comme ma grande sœur, qui l'a suivi à l'école de mon épouse où elle est allée étudier, la vue vêtue de je ne sais pas qui des aspirants là pour devenir religieux, elle aussi a dit, moi je la suis. Donc elle a été pionnière pour les filles, comme l'État, la tienne, les motasilvains et la famille l'ont été pour nous. Nous leur en sommes vraiment très reconnaissants. La fameuse biographie que vous attendez que j'ai dit de ce monsieur,
Ma voiture n'a signé. Nous avons un allonge. Vos yeux en gros. Nous avons une batterie. La poche qui est libérée. La deuxième batterie en gros. Le pays déjà rouge. Tout à chaud. Le Congo du Paris. Et dans les autres. Et ici, chacun de vous parlez plus fortement. Nombre de gens. C'est lui mon enseignant. C'est tel mon enseignant. C'est pourquoi nous sommes très fiers. Très fiers. Que nous ayons donné en famille des fleurs. Ces fleurs-là, voilà qu'on a organisé cette énorme cérémonie. Ses parents viennent de Belgique. Ils ont pris ici avec l'univers de Belgique. Mais ils ont dû se prier pour venir fêter avec nous, commémorer avec nous leurs 80 ans de vie. Mais très chers frères, est-ce qu'il y a pas une raison pour en être content? Applaudissons. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort Papa Amélie Moubière, grand-père Pilé, avocat général, premier avocat général de la République. C'est pas donné à tout le monde. Nous allons suivre le témoignage. Papa a fallu ce qui est déjà là. Je rappelle que il y a le professeur Bob Necker qui est devant moi. Je vais tout droit de lui dire, même si je suis au village et qu'il est à Kinshasa, il a le téléphone. C'est un père qui parle de vous. Alors, je l'appelle en titre. Ce nom-là, ça signifie quoi? Donc, et quel est qui Mbouta, Bambouta Nabeto, Bamama Nabeto, Otaka Kindoku, Namankondo, Mamati, Mamama Yami, Kindoku Yambolo, Yamina Nabeto Bana, Petro Kindoku Mboye, et Mikutu Samuka Nabeto Bana, et quel est Bana Yoga, et quel est Papa Ram. Comme que vous, que vous, alors, vous tournez à de voir nous deux en train de vivre Dieu merci. Ancêtre, tu es là, mon congé, côté de la maman Sidonie. Et puis, je vais épouser, mais cette femme n'a pas de suivre le village. Il faut traverser Gassin, il est à Yuki. Madame mon épouse. Oh là là. Et dit à Cédre, vous déposez Sidonien. Vous déposez Sidonien. Il dit comme ça, il était bébé. Et il en était vraiment fier. Il a épousé. Parmi ses enfants, il y a un enfant prêtre. Et moi, je l'ai épousé parmi mes enfants. Il y a un enfant prêtre. Encore rajouter des années. Ajouter des années. Et surtout que dans la famille, tu as fait sortir les prêtres. Votre vie peut encore augmenter. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Notre souhait est que dans 20 ans, nous puissions nous retrouver encore ici, dans ce beau cadre, pour fêter le centenaire. Et pendant ce temps, nous invitons les professeurs Bob Moubière, il vient des États-Unis, spécialement pour cette cérémonie. Professeur, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde.
Vous allez m'excuser pour mon expression si de temps en temps j'ai introduit des mots qui ne me sont pas familiers. Je suis aux États-Unis depuis 40 ans. Donc j'ai oublié un peu la langue. Mais avant d'aller là-bas, j'étais professeur de ici au campus. Comme assis. Alors maintenant, quand je parle, ma bakou moi était en français. Bon, pas grave. Je viens ici parce que ce couple est un couple qui signifie beaucoup pour nous. Maman Sidonie, c'est la dernière fille de mon grand-père qui, lui, a eu. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire, s'il y a encore un descendant direct de mon couple qui est vivant. Mais la seule que je connais, c'est Maman Sidonie. Et pour ça, je la prends pour nous comme un trésor, parce qu'elle détient notre histoire, parce qu'elle rassemble, elle est le symbole de toute notre famille. Monsieur Sylvestre Afonissou, qui parlait tout à l'heure, parlait d'eux comme leur ami. Mais Sylvestre est aussi mon cousin, descendant, son père est fils de mon couple, comme Sidonie. Donc nous sommes tous liés par ces liens de sang. Et alors, je me suis dit, bon, écoutez, comme je voulais bien aller les visiter en Belgique, je me suis dit, bon, c'est mieux que je les surprenne en venant assister à cet événement que les enfants ont organisé en son honneur. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire de ta donation comme... Mon grand frère me disait, le premier avocat général, on l'appelle vraiment Tahal Latienne. Ce sont des gens qui ont coiffé notre jeunesse au village. Nous les suivions comme un peu, on dirait, leur sac de main. À chaque occasion qu'ils venaient en vacances, nous quittions notre maison, lui et moi, mon père et moi, pour aller rester avec ta donation pendant tout le temps et par ricochet ta prospère. Il nous apprenait les chants, il nous apprenait pratiquement tout, y compris le français. Quant à la maman, évidemment, comme mon frère l'a dit, c'est la toute première fille qui s'en va à une école au niveau post-primaire. Et quand elle venait en vacances, nous allions la prendre avec, comme je l'ai dit au départ, un trésor énorme que j'aimerais que, si Dieu le voulait, garde pendant assez longtemps et plus longtemps encore. So, dear brothers and sisters, I'm so thankful that we can honor my parents, really. Okay, they are my parents. So, I'm so happy that you can come, and the family thanks you for taking your time, your dear time, and come and spend with us. Okay? So thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Vous voulez que je traduise? Non, sans vous mentir, vous savez que nous sommes à l'église depuis 13h. Il est 18h. On va continuer notre programme, mais le modérateur a faim. Et puisque le modérateur a faim, cela oblige à ce que nous puissions d'abord manger et on va poursuivre notre programme. Jusqu'à ce qu'on va terminer. Bon appétit d'avance. Bon appétit. Et hospitalité. Protocole qu'on disait toujours. Bon appétit. Le canal était maintenant. Bon appétit. Protocole.
Kata. Seigneur, l'évêque l'a prêché. Toropé, ça n'a oyalikolo. Et vous avez dit, vu oyalikolo, comment ça payait, hein? Monseigneur, merci. J'ai vraiment retenu ça. Et je vais garder ça durant toute la vie. Nous passons à une belle musique. Entre temps, il y en a qui sont en train de manger. C'est pas interdit, hein? DJ! Musique, musique, cadeau. Bon appétit à ceux qui mangent. Et bonne digestion à ceux qui ont fini comme moi. Ah, voilà cadeau. Thank you.
arrêté hein, ma photo. Hein. Il dit ma... Y'a Chris, non, là. Y'a Chris. Thank you.
Votre attention, s'il vous plaît. Maman, il dit qu'on se marre, hein. Vraiment. Alors, bien. Hein? Je t'aime, papy. Mamie, tu es vraiment la plus belle, la plus douce et la plus gentille de ma vie. Femme de champ, femme de rivière, toi qui as porté ma mère, mes oncles et mes tantes. Tu es vraiment pour moi un grand exemple à suivre. Je suis heureuse que tu sois encore en vie. Papy et mamie. Papy et mamie, vous êtes pour moi des modèles et votre présence est pour moi le meilleur des cadeaux. Je vous adresse quelques mots pour vous dire que vous êtes, que je vous aime et mon amour est aussi éternel que les étoiles dans le ciel. Merci pour votre amour. Merci d'être toujours là pour moi, même si je n'ai pas physiquement. Mais je sais que par esprit, vous êtes avec moi. Je vous aime et je vous aimerai tout au long de ma vie et jusqu'à ma mort. Mes grands-parents de la jeunesse étaient des grands leaders. Mamie, elle est devenue la première des filles dans son village parce que c'était la toute première atteindre un grade d'études très élevé. Et mon papy, il a toujours fait les bonnes choses et pendant ce temps, lui, il était enseignant. Et dans les années 1965, c'était pendant la rébellion Moulélé dans la province du Guilou. Les partisans de Moulélé avaient détruit toutes les infrastructures. Les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, les ponts, etc. Papy était tombé gravement malade. On lui administrait des soins traditionnels. Il était couché au lit, il ne marchait pas et avait seulement dans sa famille deux enfants. Stéphanie Moussima et Claude Moussima qui avaient 2 ans. Un jour vers 17h, la maladie s'est aggravée. La famille et tout le village se sont désespérés que Donatien est mort. Alors, brusquement, il se mit debout d'une façon miraculeuse, par la grâce de Dieu l'Éternel tout-puissant. Et tout le monde était étonné suite à cette guérison miraculeuse. Mon oncle, l'oncle Rémi Boutier, avait composé une chanson que nous allons tout de suite chanter. Cette chanson a été composée par mon oncle qui est juste là, en face de moi. L'oncle Rémi Moutier dans les années 1965. Applaudissez s'il vous plaît. Cet enfant. Ah, bien que vous applaudissez. Bien que vous applaudissez.
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'enfant? Je suis de temps en temps visité par des amis, par des oncles, par des parents, et sortissant les couloirs. C'est pourquoi je vous demande de continuer à nous soutenir pour que tout se passe bien et que nous arrivions à réussir notre ordination et nos prémices au niveau de Béantimoun. Une fois de plus, merci. Si c'était ailleurs, les gens allaient dire « Bipotou, Bipotou, Ayane !» Notre souhait est que nous puissions nous retrouver encore ici. Sans plus tarder, j'accorde encore la parole au peuple. Allez-y. Je sais que vous avez dit de plaisir, de gentillesse et de générosité. Vous êtes les meilleurs grands-parents du monde. J'aime le temps que vous passez ensemble et c'est pour ça que vous le faites pour vos anniversaires. Grâce à vous, je sais cette possibilité de plaisir, de gentillesse et de générosité. Vous êtes les meilleurs grands-parents du monde. J'aime le temps que vous passez ensemble et c'est pour ça que je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci, 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 on peut acclamer encore pour elle. Coco, comment marche sa vie? Vous aussi, vous avez eu du travail, comme vos enfants. C'est une étape dure à franchir, mais vos parents, vos anciens parents, oui, vous ont aussi montré l'exemple que vous aviez donné à vos enfants. Grâce à vous, vos enfants savent maintenant comment marche la vie, ils savent payer, travailler, payer les factures, ils savent prendre la responsabilité de leurs enfants. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs grands-parents de tout l'univers. Ouais. Moi, j'ai pris beaucoup d'exemples des grands, surtout de mes parents. J'ai évolué bien. Grâce à eux, j'ai réussi à l'école. Et je veux aussi pouvoir réussir à travailler, créer des factures, prendre les responsabilités de mes enfants. À avoir une vie nouvelle, une vie épanouie. Oui. Et merci beaucoup, papi et mamie. Merci beaucoup, on peut avoir un meilleurs grands-parents du monde. Je vous aime, merci pour avoir gardé maman, même si toi, papi, tu étais malade. Tu as soutenu ta famille. Papi, je t'aime beaucoup. Merci à toi, encore très très fort. Bonsoir, c'est moi, Stéphanie. Ce que je voulais dire, c'est que depuis que je connais papi et mamie, je n'ai jamais vu de personnes aussi extraordinaires qu'eux. Ils sont tellement exceptionnels que je ne peux même pas décrire à quel point je les aime. Papi, oui, tu as connu des choses un peu trop difficiles que je ne peux même pas imaginer. Mais ce que je veux te dire, c'est que je t'aime et que tu as beaucoup de courage. Mamie, tu as affronté toutes les difficultés pour ensuite réussir et devenir une grande dame. Je vous aime et je serai toujours un bon petit.
et je vous promets toujours de garder votre exemple dans mon cœur et de les apprendre à tous ceux qui voudront que je leur dise merci beaucoup. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre cérémonie de ce soir. Mais à... Merci, merci beaucoup. Voilà ma Congolaise diaspora. Hein? Le Congolais de la diaspora. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait une rechargée. Bando. Ça c'est
fait la bonne musique, ça fait la bonne ambiance. Et on va atterrir dans 10 minutes exactement. On va atterrir en douceur à Yichem Mukombo. On va atterrir à Yichem Mukombo. À Timbuktu, à Boulogne, mais partout ailleurs. On vous écoute. Sans oublier ceux qui sont venus de l'Idi à la Carmelo, village du premier avocat général de la République. Merci beaucoup les jeunes de Milène et Milène. Et nous allons terminer par là. Merci. La belle Claude, s'il peut clôturer la cérémonie de ce soir. Merci beaucoup, merci. Vous avez montré de votre capable. Vous avez été gentil. Vous n'avez pas eu de casse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Respectez les gestes barrières, s'il vous plaît.